Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. En faisant la vidéo sur les groupes qui ont les mêmes ancêtres que les Aladjans, j'ai omis de dire aux Aladjans que les Aïzi d'Abrako et d'Abra-Nyanyambo sont leurs frères, ils ont les mêmes ancêtres. Abra, c'est une autre prononciation de Abré. Donc, les Aïzi d'Abrako et d'Abra-Nyanyambo sont vos frères chers à l'Adjan. Et aussi, ils sont frères, non seulement avec vous, mais aussi avec les Atchétchens d'Aoutoué et avec les Fanti Abrem du village de Sama, Abrem-Sama. Mais dans cette vidéo, je veux plutôt parler des Ébriers Bobo, d'Abobo Baoulé et d'Abobo Té, et des groupes avec lesquels ils ont les mêmes origines. Les Ébriers Bobo disent clairement que leurs ancêtres viennent de Noundjou. Où était Noundjou? Mais en pays Haïti. Précisément, ceux qui sont leurs frères directs en pays Haïti, ce sont les Haïti de Ningui Saf et Ningui Asoko. D'ailleurs, Ningui n'est qu'une déformation de Noundjou, qui désignait à l'origine une classe d'âge. Voilà. C'est cela. Maintenant, quant au Badjen, chers Ébriers Bobo, les Ébriers Badjen, les Tchamans Badjen, vous savez que ce sont vos frères. Voilà, ils se sont détachés du groupe Bobo et puis ils ont fini par former un autre sous-groupe Ébrier, un autre Goton. Donc je me reprends pour dire que, chers Ébriers Bobo, vos frères avec qui vous partagez les mêmes ancêtres, vous avez les mêmes ancêtres, ce sont les Aïzi de Ningui Saf et Ningui Asoko, sans oublier bien sûr les Ébriers Badjen. Je vous remercie. Ici le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est dans la ville d'Abidjan, dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest. Ainsi donc, nous continuons de contribuer à notre façon à la cohésion sociale. Voilà. Quand on rencontre quelqu'un qu'on sait que on a les mêmes ancêtres avec lui, on a une attitude différente. On a une attitude différente. Merci encore et bonne journée.